Salut les amis, c'est la team Josani Gofut. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour le débriefing de ce choc entre l'anglais et belge. Donc avant de commencer le débriefing et le résumé de ce match, je vous rappelle le concours, la vidéo dans la description, avec les modalités pour pouvoir participer à ce concours et pour pouvoir gagner le maillot de votre choix. Donc tout de suite, je vais commencer. C'est le débriefing. Bon, il n'y a encore pas José, hein, il n'est jamais là celui-là. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais, José? Les Anglais, ils ont... C'est des frites, des frites, des frites. Les Anglais, c'est des frites, des frites. Ah là! Les Anglais, c'est Mais des frites, des frites. qu'est-ce que tu fais? La 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 Arrête, la arrête. la. Mais qu'est-ce que tu fais, José? Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Des frites, des tuches. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Non, bon, allez, allez, arrête-toi, D'accord, faut on que j'écoute le match. cuisiner. Ah non, 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 on cuisine des frites. Non, bon, alors, pendant que José cuisine les frites, on va quand même débriefer le match. Donc, on va débriefer ce match. Non, José, sérieusement, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Sérieusement, un match de merde, comme pour tous ces matchs de la FIFA World Cup 2018. Un match de merde, comme ces patates. Non, bon, ça, plus sérieusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas eu toutes les promesses Comme que d'hab. nous avait promis ce match. Voilà, avec un match vraiment mauvais, avec quelques occasions quand même pour les Belges dès le début de la Ouais. rencontre, avec une belle parade de Pickford, puis un sauvetage sur sa ligne de Khalil, mais il n'y aura rien De jusqu'à la Khalil. de Cahill, Ah, mais il n'y excuse-moi. aura rien jusqu'à la mi-temps. Et en fait, le débriefing et le résumé Regarde la caméra. peut se résumer qu'à un seul, une seule action, Je t'ai dit quoi, Arthur? un Regarde la José. caméra. Oui. Une seule action avec ce but de jeune usage. Splendide. Il Oui, est donc, là-haut, il est sur la lune. jeune usage qui nous met un but. Sur une autre planète. Voilà, on ne pouvait pas penser qu'il pouvait rentrer dans ce match-là, ce but, puisque ça vient d'un contrôle semelle, comme on appelle ça au futsal. Contre semelle, Abdel. Contre semelle côté droit, crochet, Danny Rose, il est dans le vent, enroulé, lucarne opposée, Pickford la touche, mais ça peut rien, il peut Ouais. rien faire, ça Un va au fond des but, filets. j'ai envie de dire, très très moche. Non, je rigole. Et donc on va commencer direct par passer au top et au flop parce que franchement il n'y a pas Ouais, grand-chose d'autre d'abord, à il y dire. a un truc que j'ai envie de dire. Ouais, peut-être que tu les as mis dans les flops, j'ai pas fait gaffe. Allez, je vais dire les tops. Alors, les tops, tout de suite, avec Janusaj, magnifique but, magnifique match. Voilà, enfin pas magnifique match forcément, mais heureusement que Januzaj était là pour nous mettre un but et nous divertir dans ce match. Alors, après, on a eu 5 minutes de beauté à la fin, grâce à un Dries Mertens en feu quand il est rentré. C'est le jour où j'attendais, je me suis dit, allez, l'entraîneur belge, fais-nous rentrer Titi. J'allais dire Titi Henry, c'est à toi. Fais-nous rentrer Dries Mertens. C'est un petit, peut-être que comme les Anglais sont grands, petits en taille, il pourra se faufiler dans la défense, qui va très très vite, très vif. Voilà pour les C'est tops. ce qu'il a fait avec une belle frappe. Et puis en flop, bah on vous l'a dit, hein, le match, vu qu'il n'y a pas grand-chose à débriefer, le match, voilà. Et parce que c'était Rage-moi. vraiment terne, c'est peut-être le plus mauvais match de cette Coupe du Monde, avec notamment le France-Danemark, le 0-0. Et puis en flop, Marcus Rage-moi. Rashford, si l'Angleterre n'est pas premier de ce groupe à la fin, et donc il y a 6 points en deuxième position, on rappelle les Belges premiers avec 9 points, le 3 sur 3, le Panama qui a marqué son deuxième but dans la Coupe du Monde a perdu contre la Tunisie et finit dernier de ce groupe, donc les Tunisiens finissent troisième. D'ailleurs, Donc ouais, je vais en rajouter un Rashford, peut-être dans oui, les flops. attends d'abord avant, on parle de Voilà, il lui a Rashford chié. qui manque un face-à-face énorme avec Thibaut Courtois et Et puis c'est corner de il a merde. raté tout ce qu'il a entrepris. C'est corner de merde, c'est coup Voilà. franc de merde, voilà. Après, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Ouais, je voulais mettre Batshuayi, moi, parce que ce gros sac à merde, là, il fout rien sur le terrain. Et voilà, il fait rien, il bouge pas. Voilà, il touche pas un ballon, je suis désolé. Lui, il est dans les flops, ce Marseillais de mes couilles, là. Ouais, enfin bon, on va Excusez-moi, pas, messieurs, on dames. vous aime les amis, nos amis les Marseillais. Et puis, je voudrais dire quelque chose aussi. C'est que les Belges, eux, ils ont été fair-play. Il y aurait d'autres équipes qui auraient été au poteau de corner, qui auraient pris tout leur temps pour jouer. Eux, ils ont joué, ils ont même essayé d'attaquer, on a vu en fin de Enfin match. bon, Pour moi, ils ont été il n'y avait pas fair-play. non plus une grosse envie d'égaliser pour les Anglais. Ouais, mais d'un côté... Il y avait quand même la première place en jeu, s'ils se faisaient égaliser, ils n'étaient pas premiers et tu tombais contre la Colombie. Alors. Alors voilà. Enfin bon, donc on sait tout ce qu'on a à dire sur ce match, il me semble. Ouais. On va demain, il n'y a pas de match.
Demain, on va essayer de tourner un débriefing, un grand débriefing des phases de poule. Et on le sortira samedi matin. Et puis on se retrouvera samedi avec donc ce grand débriefing des phases de poule. On verra. Et on se retrouvera avec le match de l'équipe de France à 16h. Allez les bleus, allez les bleus, Bon, du coup, on allez va les laisser bleus. José finir de faire ses frites. Et puis on se retrouve dès samedi. Allez, salut les potos.